Dans l'onglet Bande passante et espace de stockage, vous pouvez estimer l'espace de stockage du disque requis pour stocker les archives vidéo et estimer la bande passante réseau requise pour les caméras. Vous pouvez ajouter un groupe de caméras similaire et spécifier Résolution de la caméra, Compression utilisée, par exemple H264, Nombre d'images par seconde, il est recommandé d'utiliser au moins 6 images par seconde. Nombre de jours. Les renseignements doivent être gardés en lieu sûr et conservés pendant une période ne dépassant pas celle nécessaire aux fins du système. Un minimum de jours est recommandé pour des petits systèmes CCTV ou 31 jours selon la norme australienne. Le nombre de caméras. Dans le coin inférieur droit de l'écran nous pouvons voir l'espace de disque et la bande passante réseau qui en résulte. Dans le cas où vos caméras n'enregistrent pas en continu, vous pouvez spécifier un pourcentage d'enregistrement. Vous pouvez également utiliser une calculatrice de programme interne. Pour résumer, j'aimerais vous parler des avantages de notre programme. En utilisant le programme, vous pouvez facilement tester les différents scénarios sans réellement prendre le temps d'installer les caméras. Vous serez en mesure de montrer exactement aux utilisateurs finaux pourquoi ils ont besoin de ce type de caméra, pourquoi il faut qu'elle soit placée dans cette position et pourquoi vous avez besoin d'un certain nombre de caméras. En utilisant ce programme, vous ferez preuve de professionnalisme et de bienveillance envers vos clients tout en vous démarquant de vos concurrents. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de laisser vos commentaires sous cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube.